Aujourd'hui, je suis dans la zone sécurisée. J'ai été invité par l'Aviation royale canadienne pour visiter la base militaire de Bagotville et pour m'approcher un peu plus de mon rêve d'enfance et du rêve d'à peu près tous les pilotes que je connais, c'est-à-dire le célèbre F-18. Commandant Gagné, votre passion de voler, parce que pour être un pilote, je le sais très bien, il faut être passionné, ça vient d'où? Est-ce que vous étiez tout jeune ou c'est un accident de parcours qui vous a mené vers l'aviation? Vraiment, c'est quand j'étais jeune, je voulais devenir pilote. OK. Mais je ne savais pas quelle sorte de pilote que je voulais, que je voulais être, mais je voulais piloter des avions. Parce que vous êtes originaire de la Gaspésie, de exactement. New Richmond. De New Richmond, exactement. Et c'est ça. Alors, vous vous rendez là-bas pour commencer votre formation. Ça dure pendant quelques années. Et là, par la suite, votre parcours, c'est quoi? J'ai commencé sur le Tracker à Somerset, le CP-140, qui est CP-121, pardon. Tracker, qui faisait de la surveillance maritime. Cet avion-là, ça a volé sur notre carrier, notre porte-avions canadien. Le dernier, c'était le Bonaventure. Et puis, je suis allé à Somerset pendant 3 ans et demi. Après ça, j'ai fait le transfert sur les pilotes de F-18. J'ai été chanceux. Je suis allé en Allemagne pour mon premier posting, participer dans la guerre du Golfe. Après ça, j'ai fait plusieurs autres tours au sol et en vol. Un peu partout là, au Canada. Donc, une carrière très intéressante. Ben oui, je comprends. Et très, très variée aussi. Le F-18, vous avez plusieurs milliers d'heures de vol sur cet appareil-là. Est-ce que déjà, là, en entrant dans l'armée, c'était votre but de voler sur cet avion-là? Bien, pas au début, parce que je savais pas quelle sorte de pilote que je voulais être. Ouais. Mais aussi que j'ai commencé à voler le Tutor, j'ai fait mon entraînement là-dessus. Ouais. Les avions réaction, c'était déjà quelque chose qui me passionnait. Ouais. Donc, j'étais chanceux, j'ai eu un avion que je voulais voler, le 18. Quelle particularité a cet avion-là? Parce que, tu sais, moi aussi, je suis pilote privé, puis d'être ici, c'est un privilège, puis de jaser avec vous aussi, puis c'est comme un peu le summum, là, ce serait le rêve pour n'importe quel pilote privé. Mais là, quand on peut voler ces avions-là, quel feeling on ressent? Quelle particularité ça a? Une des choses que je suis vraiment chanceux avec ça, c'est le freedom, la liberté qu'on a avec l'avion. On est habituellement seul dans l'avion. C'est sûr qu'on a des choses à respecter. Mm-hmm. Puis, je vais vous dire, depuis 1997, OK? Ouais. Que quand je prends le... juste avant de décoller, je dis toujours, mon Dieu, que je suis chanceux. Quand je vole, là, je regarde pas ailleurs. Il faut que les doigts se mettent. Oui, c'est ça, exact. Vous le sentez, là. Exactement. Ça, c'est la sélection des armes. C'est un missile en bas, c'est un autre missile en dedans, c'est un troisième missile, puis en arrière, c'est le gun. OK. Puis ça, là, c'est tout automatique. Ils pensent même pas en vol. Ah oui? Oui. Ça devient intuitif de voler dans un F-18. On n'a pas à penser, justement, ça va trop vite. Il y a des avions qui ont des ailes en V, par exemple, ou des ailes qui sont mobiles. C'est pas le cas sur le F-18? Non. L'avion s'ajuste à cause des ordinateurs. On est capable de faire bouger d'autres parties des ailes. Le leading edge flap, ouais. Il descend. Là, quand on va à basse vitesse, il descend vraiment gros. Donc, c'est plus l'aile au complet qui bouge, mais les parties d'aile, donc, pour être plus efficaces. Plus. Exactement. Commandant Gagné, cet avion-là a une forme qui est quand même commune pour un avion de chasse, mais pour le commun des mortels, les civils, moi, je me demande, le nez de l'avion, il est long, le centre de gravité est à l'arrière, en vol lent, ça doit être un peu particulier. Oui, mais c'est ce qui nous donne... l'avion est instable, ouais. OK? Ce qui veut dire qu'il
manœuvrable. Ouais. Puis c'est la beauté d'être volé par un ordinateur. L'ordinateur est mieux que le pilote, ouais. qui est capable de corriger les erreurs. C'est un avion là, qu'on peut faire du ballet dans le ciel, si on peut appeler ça comme ça. Littéralement, hein, ouais. Ah, c'est incroyable, c'est merveilleux. C'est fly-by-wire, donc c'est un ordinateur qui vole la machine. On a à peu près 30 heures de maintenance pour chaque heure de vol. Ouf! Fait que quand on prend un avion, on est toujours en bonne shape. Commandant Gagné, je me suis approché un peu plus de mon rêve de petit gars en m'assoyant dans ce cockpit-là. Puis là, je pense que j'ai fait bien des jaloux aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très, très apprécié. Merci. Serait-il possible de reproduire la gravité lors des voyages spatiaux? La réponse après la pause. On a tous vu des films de science-fiction où, d'une manière quelconque, les astronautes dans l'espace marchent dans le vaisseau spatial pour réussir à reproduire la gravité. C'est un peu le rêve de tout le monde, mais techniquement, c'est très difficile à accomplir. Évidemment, être dans l'espace et flotter, c'est le fun. Mais pour travailler, c'est pas très pratique. On perd tout, c'est pas facile de se déplacer. Ça serait pratique de pouvoir avoir de la gravité. C'est aussi pas très bon pour la santé, malheureusement, de vivre en apesanteur, parce que notre organisme a évolué sur des millions d'années avec l'apesanteur, et lorsqu'on enlève ça, c'est vraiment très débalançant, autant mentalement que physiquement. Alors, comment est-ce qu'on pourrait arriver à faire ça? Bien, on pourrait avoir simplement un truc de centrifuge, hein, comme dans la plupart des films de science-fiction, on voit une grande roue qui tourne, et puis cet effet-là, ça peut être suffisant pour créer une espèce d'effet là, de gravité. Le problème technique, là, d'assurer qu'il n'y ait pas de fuite au moyeu de cette roue-là, c'est à peu près la seule manière pratique qu'on pourrait reproduire la gravité. Et on y pense. Il devait y avoir d'ailleurs un module avec gravité à bord de la Station spatiale internationale, ça s'appelait le module d'habitation, mais finalement, ça n'a pas été fabriqué. On y pense encore pour les vaisseaux qui vont aller vers Mars, parce que quand on envisage d'envoyer des astronautes vers Mars pendant 6 mois, 9 mois, 1 an ou plus, et on sait qu'ils vont arriver complètement déshabitués à la gravité et ça risque d'être très pénible pour eux de se réhabituer à la gravité pour être capable de travailler sur Mars. Alors, si on arrivait à les garder un peu dans l'état de gravité en chemin ou peut-être vers la fin du voyage, ça pourrait nous aider. Souvenez-vous, dans la première émission, j'ai invité mon collègue Mathieu Roy à venir expérimenter les manœuvres acrobatiques avec le pilote de F-18, Michel Hamel. Comme vous l'avez constaté, Mathieu a tellement apprécié son vol qu'il a légèrement perdu le nord et il s'est senti très léger. L'expérience a été mémorable quand même et Mathieu en voulait davantage, mais plus de techno, moins de G. On a donc demandé à Michel Hamel de lui faire découvrir son gagne-pain et vous verrez, il sera assez bien servi côté techno. J'ai repris du teint, je me suis replacé l'estomac. Là, tu parais mieux. Là. Et dans un nouvel environnement aussi. Je suis moins inquiet de ta situation médicale. Tous ces beaux avions, là, c'est toi qui les assembles, toi qui les pilotes. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je les assemble pas. Moi, on les test flight. On fait les essais en vol, on les amène aux clients, on entraîne les pilotes de temps à autre. Ça, c'est ta job de tous les jours. Exactement. Ça, c'est quoi exactement comme avion? Hein? Ça, c'est un 7500, Global 7500. C'est un des top avions underline sur le marché dans le monde. Et puis l'intérieur, ça a l'air de quoi? Le confort en dedans est fantastique pour les passagers. On peut aller n'importe où. Ce que tu fais dans la vie de tous les jours, c'est de piloter ces avions-là à quel moment de leur développement? À la fin. Okay. Une fois que les avions sont tous construits, nous, on les test flight, on fait les tests en vol pour être sûr que tout est sous la norme. On les amène un peu partout. Comme il y a deux semaines, j'étais aux Indes, d'emmener le même avion, mais aux Indes. Mike, il fait partie de mon équipe. Puis qu'est-ce qu'on fait aussi, c'est que quand les clients arrivent, il y a un entraînement à faire, parce que des fois, c'est la première fois qu'ils embarquent puis qu'ils volent ces avions-là.
Donc, la responsabilité de Mike, c'est aussi de montrer la technologie qui vient avec et il s'assure qu'il y a tout ce qu'il y a besoin pour voler ses avions dans un envolée safe puis confortable à cause de la conception de l'aile. Même dans la turbulence, on sent vraiment en sécurité et vraiment le ride, c'est vraiment smooth en vol. C'est vraiment incroyable. Hey. Ouais, Mathieu, qu'est-ce que t'en penses? Ben écoute, c'est mon élément, là, des souris, des écrans tactiles. C'est plus techno que ce que je pensais. Hein. Cet avion-là peut aller à quelle vitesse, à quelle hauteur? Qu'est-ce qui rend l'avion si intéressant? Hein? L'avion est très intéressant, comme tu vois, à cause de l'avionique que tu... Puis toi, en tant que futur astronaute, tu vas être très intéressé à la progression de la technologie de l'aviation. Tous les écrans, comme tu vois, il y a quatre écrans. On peut tout avoir sur ces écrans-là. On peut avoir tous nos systèmes, comme les flight controls sont sur les écrans. Tu peux avoir des systèmes hydrauliques. Tu peux avoir des systèmes électriques. Avec le panneau ici, on peut tout contrôler l'altitude. On peut contrôler la direction. On peut contrôler la vitesse. C'est quoi qu'il y a dans mon visage? Ici, là, cette espèce de lentille-là, il y a des informations que je vois à travers ça. Hein? Exact. Tu peux juste regarder ça. Ça va tout te montrer les indications que tu as ici. Puis ça, ça doit te rappeler des souvenirs d'avions de chasse, en F-18 notamment. Oui, en F-18. Tu n'avais jamais besoin de regarder en dedans. Parce que la plupart, quand tu fais du combat aérien, il faut toujours que tu regardes dehors. Donc, la pointe de technologie sur les Global 7500, c'est incroyable. Tu peux pouvoir voir ça sur n'importe quel autre business jet dans le monde. Ça, c'est de la technologie qu'on voit, mais il y a sûrement de la technologie qu'on voit pas. Est-ce que les moteurs sont plus puissants, l'aérodynamisme, à quelle hauteur, à quelle vitesse ça va? Au point de vue de vitesse, c'est 0.92 Mach. Donc, c'est la vitesse du son qui est Mach 1. Ouais. Donc, c'est très, très près de la vitesse du son. Ça fait que ça, on peut voler à 51 000 pieds. C'est quoi l'avantage de voler à une altitude comme ça? Un des gros avantages, c'est que tu peux être en dehors de beaucoup de systèmes météorologiques. Tu peux aller plus loin aussi. Ces avions-là, du point de vue distance, 7500 pour 7500 milles nautiques. Puis ça en fait même encore un peu plus. Avant qu'une autre compagnie puisse être proche de 7500, ça va prendre encore plusieurs années. Wow. Donc, Bombardier est au-dessus de tout le marché d'avions d'affaires. Là, tu vas aller rencontrer Louis en arrière qui va te montrer le confort pour les passagers. Là, on a vu qu'est-ce qu'on fait en avant d'un point de vue technologique, comment bien c'est arrangé. C'est plus mon genre de place. Le confort des passagers, tu vas bien aimer ça. Parfait. Merci beaucoup, Mike. Il va y avoir un steak and lobster pour toi qui t'attend. C'est vrai, ça? Oui. J'adore le pilotage, j'adore la techno liée à ça, mais Louis Lefebvre, en arrière du cockpit, il y a des choses assez design et assez confortables. Oui, monsieur. Et là, ça, c'est toute ton équipe, c'est bien ça? L'équipe de design industriel intégré de Bombardier a conçu, dessiné, développé tous les meubles qui ont été fabriqués au Québec. Les sièges en cuir, ils ont été rembourrés ici dans une de nos usines. Ça surprend personne. Lorsque vous faites le design d'un environnement comme celui-ci, il y a un enjeu d'espace. Mais ça, des enjeux d'espace, on le retrouve dans des mini-maisons, dans des véhicules récréatifs. Mais vous avez un enjeu qui est assez important, c'est, j'imagine, le poids de chacun des éléments. Bien, chaque meuble, chaque matériau qui est dans l'avion, dans le fond, a été considéré de prime abord pour son poids, sa résistance au feu, puis tous les matériaux de la structure de tous ces meubles-là, dans le fond, est conçu en fonction d'atteindre un poids maximal. C'est drôle parce que est-ce qu'il y a une espèce de négociation entre les ingénieurs et les designers? Ils disent là, essayez de nous alléger ça d'une centaine de kilos parce qu'on voudrait mettre plus de kérosène ou d'essence. Oui, c'est une lutte quotidienne, on pourrait dire. Mais c'est un beau travail collaboratif, effectivement, mais c'est de toujours... étant des designers industriels, on est comme les ambassadeurs des clients. Ouais. Et donc, nous, notre souci, c'est toujours le client. Donc, il faut trouver l'équilibre, le juste équilibre entre le confort, l'ergonomie, puis le design, donc la beauté des lieux, l'esthétique, c'est toujours aussi un de nos soucis, mais il faut que on réussisse à le justifier par rapport au poids global de l'avion. L'intérieur est complètement fini ici au Québec.
Et puis, bon, au Centre d'excellence, ils fabriquent tout ce qui est les murs, les bulkheads, le bois. Ils font aussi les sièges, les divans. Tout est fait ici au Québec, absolument tout l'intérieur. Je dois dire que parmi toutes les compagnies d'aviation, moi, je crois que Bombardier fait le meilleur produit au niveau de la qualité. Et les clients le savent. En fait, le Global 7500, c'est un avion, comme tu peux le voir, il est très long. Ouais. Donc, la cabine, elle est extrêmement longue. Au lieu d'avoir trois zones, on a une quatrième à l'arrière. Et puis, c'est sûr, il y a aussi la portée de l'avion. Donc, le range qu'on va être capable de faire, okay, ça va être connecter des villes quand même. On parle d'un vol de 16 heures okay, au maximum. Donc, 16 heures, c'est des vols directs entre, mettons, New York et puis Hong Kong. Donc, une grande portée de l'avion. Sans escale. Puis la possibilité, probablement, à l'intérieur de pouvoir manger, dormir, travailler. Exactement. Dis-moi, au niveau technique, tantôt, on parlait justement là, brièvement de performance, tout ça. Il y en a pas mal sous le moteur d'assez impressionnant. Le moteur, c'est un moteur passeport qui a été fait par General Electric. On parle de 19 000 livres de puissance par moteur. Donc, okay, c'est des gros moteurs avec beaucoup de puissance. On a essayé de le rendre plus productif, d'avoir plus de puissance, mais aussi d'être capable d'économiser de l'essence. Parce qu'on le sait, il y a un côté environnemental maintenant au déplacement qu'on fait. Donc, c'est vraiment des choses... Un nouveau moteur va nous permettre d'aller chercher ce genre d'aspect-là aussi. Moi, je suis un élève de l'ENA. Donc, tous les techniciens qui sont venus à l'école ici au Québec, on a les ingénieurs de la région de Montréal, l'Université du Québec. Puis, effectivement, c'est ces gens-là qui ont designé, ont fait tout le design de ces avions-là. Et présentement, ils volent partout dans le monde. On continue à innover à toutes les années avec les meilleurs produits dans le monde. Puis, c'est fait ici au Québec avec les Québécois et les Québécoises de la région de Montréal. J'ai vraiment adoré mes dernières journées. Pour vrai, c'était tellement deux expériences totalement différentes. Mike m'en a donné pour mon argent, pas pour rire. Puis après ça, bien là, débarquer chez Bombardier avec des jets et des avions aussi luxueux, c'est extraordinaire, là. Et c'est probablement une vidéo qui risque de rouler assez souvent, dans le téléphone de mes proches dans les prochaines années aussi, là. Mon nom est Richard Legault. Je suis le propriétaire, constructeur et pilote de cet avion français de 1916, ce qui s'appelle un Newport 12. C'est comme un cheval sauvage qu'on essaye de dompter. Et il a son petit caractère. C'est pas un avion qui est facile à atterrir. Pour décoller, ça va bien, ça vole bien. Les mouvements sont très acceptables. Mais pour atterrir sur l'asphalte, c'est un peu rock and roll, on peut dire. Comme les pilotes de la première, ou les avions de la Première Guerre, eux n'avaient pas de petits trous. Et vu que c'est un aéroport contrôlé, ici, il faut circuler. Et ça prend une roue pour contrôler l'avion. Mais à la Première Guerre mondiale, ils n'avaient pas, c'était juste un patin en bois et qui labourait le sol lorsqu'il atterrissait. Ça servait de frein. Et c'était comme ça, parce qu'eux, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'aéroport. C'était des champs d'aviation. Il est appelé à se déplacer selon le mouvement des troupes, l'ennemi qui s'en vient, mais on change de place, on change de place. Fait qu'il sélectionnait des grands champs pour pouvoir partir, se réinstaller comme aérodrome. C'est une, si on peut dire, un avancement sur le Blériot, parce qu'on a les ailerons qui bougent avec le manche à balai. Le Blériot, il n'avait pas d'aileron. C'était le gauchissement des ailes au complet. Ça fait que ça, ce n'est un avancement qui est arrivé après le Blériot. C'est l'évolution des premiers avions, si tu veux. C'est encore primaire à l'époque, mais c'était considéré quand même un genre de
peut-être pas un F-18, là, mais pas loin, peut-être un... Mettons un F-18 de l'époque. Regarde, les frères Wright, c'est 1903. Il y a d'autres qui prétendent qu'ils ont volé même un petit peu avant, mais officiellement reconnu d'après les historiens, c'est 1903. Donc, ça, c'est 1916. Le concepteur, c'est Edward Newport. On dit Newport, là, mais c'est Edward de Nieport, tu sais. Mais il se dit Newport. Alors, c'est ça. Puis lui, c'est le concepteur de cet appareil-là. C'est un 90 forces. À l'époque, c'était bois et toile. C'est presque juste ça, du bois et de la toile. Ou du coton. On s'est donné beaucoup de troubles à copier ce qui était utilisé à l'époque, tout en étant dans la sphère de sécurité. Hey, merci beaucoup. C'est beau, fait plaisir. Ah, que ça a été un plaisir pour un passionné comme moi de partager ces images et ces reportages sur l'aviation au cours des dernières semaines. Et de notre côté, bien, je souhaite bien qu'on se retrouve la saison prochaine parce que le monde de l'aviation est tellement vaste, il y a encore beaucoup à découvrir, à vous faire découvrir. Entre-temps, ciel bleu tout le monde. Salut!